Madame Grange, pouvez-vous accepter d'épouser monsieur Lewis? Profil. Nom, âge, lieu de naissance. Rebecca Cross, 35 ans. Saint-Paul, Minnesota. Des tatouages ou des marques distinctives? Non, non. Pas de cigarettes, pas de drogue, pas de briquet. Parfait. Enlevez-lui les menottes et mettez-la au bloc. Si ça peut t'aider, je t'écoute. Alors c'est toi qui t'es marié à deux mecs? Je comprends qu'on soit tenté de donner un coup de canif dans le contrat. Mais qu'est-ce besoin d'en épouser deux? C'est une excellente question. Oh. Oh, Jeffrey. Jeffrey, c'est magnifique, merci. Il est beau, hein? Oui. C'est superbe. Ah, Rebecca. Je ne croyais pas que cela soit possible, mais je t'aime plus aujourd'hui que le jour où je t'ai épousé. Ah, Jeffrey, dans ce monde imprévisible, tu es ma bouée de sauvetage. Merci. J'espère sincèrement qu'Hervey et moi, nous serons aussi heureux que vous quand nous fêterons nos 7 ans de mariage. Ah, Jeffrey, le meilleur partenaire que je connaisse. Exercer la médecine avec toi, c'est comme une partie de golf un dimanche d'été. Ah, Hervey! Tu dois porter un toast à l'amour et pas aux affaires. Le mariage est un partenariat en ce jour anniversaire. Je me suis permis cette association d'idées, chérie. Notre mariage est un partenariat, mais c'est aussi une amitié. Docteur Madison, j'écoute. Ouais. D'accord. Ok, j'arrive tout de suite. Oh, Jeffrey, pas ce soir, tu avais promis. Je n'avais pas prévu que le fils de Lucas choisirait ce soir pour nous faire une péritonite. Dans ce cas, je n'ai rien à dire. Je t'aime, Rebecca. Bon. Joyeux anniversaire, madame. Il est si romantique. Bien, moi, si je m'étais barré le soir de notre anniversaire de mariage, tu m'aurais assassiné. Bonjour, Rebecca. Vous avez passé une belle soirée? Ce fut court, mais bon, l'hôpital l'a appelé. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai pu terminer mon rapport. Vous êtes surprenante. Johnson m'a demandé si je pouvais l'aider sur ses travaux concernant les températures. Mais vous êtes sur 3 autres projets de recherche? Je travaille mieux sous pression. Si vous voulez travailler avec lui, il va falloir me faire un rapport. Aucun problème. C'est vous qui voyez. Vous êtes seul juge. Rebecca Cross. Angie, ça me fait plaisir de te... D'accord, j'arrive tout de suite. Vous êtes bien chez le docteur Jeffrey Madison. Veuillez parler après le bip. Jeffrey, c'est moi, tu es là? Je t'en prie, réponds-moi si tu es là, j'ai besoin de te parler tout de suite. Angie a téléphoné de Lakeview. Mon père a fait une rechute. J'y vais, je t'appelle de la voiture. Chérie, j'ai peur. Becky, je suis contente que tu sois venue. Comment va-t-il? C'est pas terrible, et en plus, il refuse d'aller à l'hôpital. Merci de t'en être occupée. Je t'en prie. Papa, il faut que tu écoutes ce que te dit le docteur Marx. Il a raison, tu dois aller à l'hôpital. Chérie, je les ai déjà laissé emmener ta mère. Souviens-toi, ils l'ont branchée à des machines. Résultat, ça n'a pas changé grand-chose pour elle. J'aurais mieux fait de la ramener à la maison comme elle le demandait. Ça n'a rien à voir avec toi, c'est différent. J'aurais dû m'occuper plus de toi et de ta mère à l'époque. La famille devrait toujours passer en premier, avant le travail, avant tout le reste.
Ton travail était important aussi, papa. Il restera pour toujours. En fait, je croyais toujours qu'on pourrait passer du temps ensemble plus tard. On a pu partager de longs moments tous les deux. Papa, je t'en prie. Sois pas têtu cette fois. Il faut que tu ailles à l'hôpital. On a tort de remettre à plus tard. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Allez, viens, Becky. Gary va nous conduire au cimetière. Il est parti si vite. Tu as eu le temps de lui dire adieu. J'aurais dû venir plus souvent le voir. La dernière chose qu'il ait dite, c'était... On a tort de remettre à plus tard. Il ne faut pas t'en vouloir, Becky. Tu es gentille. Maintenant, il faut y aller. Tu veux bien m'accorder une minute, s'il te plaît? Je t'attends dehors. Je sais que mon père continuait ses recherches. Ce sont ses tout derniers travaux. Merci, Rebecca. Votre père est quelqu'un qui a fait beaucoup pour notre université. Ses travaux et cette serre sont un modèle pour nous tous. Cette serre, c'était son paradis. J'ai passé toute mon enfance ici avec lui. Ces plantes n'ont, j'imagine, aucun secret pour vous. C'était presque mes meilleurs amis. Votre réflexion m'intéresse. Vous connaissiez son travail mieux que personne. Vous avez une maîtrise. Nous avons besoin de quelqu'un qui puisse, d'une part, classer ses travaux, surtout concernant les orchidées, et d'autre part, assurer la fin des cours. Oh, mais je n'ai jamais enseigné. Il n'y a que 3 heures par semaine, avec en plus la lecture des thèses proposées. Peut-être aviez-vous envisagé de vendre la maison? Mais du coup, ça vous laisserait le temps de ranger ses affaires et de terminer ses travaux. À vrai dire... Merci, professeur Gray. Je vais y réfléchir. Mais ça te prendra combien de jours par semaine, exactement? 3 ou 4. Et je passerai les week-ends en ville avec toi. Tu penses pas que tu mériterais mieux qu'un simple boulot de prof de fac? Je te signale que mon père s'en contentait. La médecine n'est pas la seule profession estimable. Mais c'est pas ce que je voulais dire, seulement... Et ton travail au labo, alors? Tant que j'arrive à rendre mes rapports à temps, peu importe où je suis pour les écrire, il me faut un portable et une bibliothèque. Entre les bouquins de mon père et ceux de l'université, j'aurai largement de quoi faire. Ouais. Et moi, je ne te manquerai pas. J'ai très envie de faire ce travail. Alors vas-y, fonce. Je suis pas idiot. Après tout, tu adores Lakeview, il fallait que tu t'occupes des affaires de ton père. Faut bien avouer qu'en semaine, on se voit pas souvent. Qui sait? Peut-être que tu ne me manqueras pas. Ah, tu es sûr de ça? Et puis, ça durera pas toute la vie. Merci. Bonjour, je suis Rebecca Cross, votre professeure de... Non, ça va pas. Bonjour, je suis la fille d'Harrison Cross. Bonjour, je suis Madame Cross. Ce que je vous propose, c'est qu'on essaye en mettant Gary au poste d'ailier droit. Déjà voir ce que ça donne comme ça. Si jamais ça va pas, on changera. De toute façon, rien n'est joué. À quelle heure ce soir? L'entraînement commence à 17h30 demain. Vous avez un match le matin. Ensuite, on fera le point. À tout à l'heure. Becky? Mike. Qu'est-ce que tu fais là? Je termine le semestre à la place de mon père. Il vient de mourir. J'étais pas là. Ça fait un mois que je suis rentrée et on ne m'a pas prévenu. Sinon, je serais venue à l'enterrement. Non, c'est pas grave. Ça alors? Je croyais que t'habitais en ville. Disons que je me partage. J'y vais pour le week-end. Toi, tu vivais pas au...
au Wyoming avec ta femme et tes enfants? Ils sont dans le Wisconsin. On a divorcé. Je bosse ici comme entraîneur de basket. 6 et 4. Tes enfants? Non, l'équipe. Mes momos, 10 et 12 ans. T'es toujours aussi ravissante. T'es toujours le même. Ah, mon cours va commencer. C'est mon premier jour. Alors, bonne chance. Je suis sûr que ça ira. On mange ensemble ce soir? Je suis libre à partir de 8 heures. J'habite chez mon père. Je viendrai te chercher si tu veux. Allô? Bonjour. C'est Désirée. Si Harvey téléphone chez toi et te demande où je suis, pourrais-tu lui dire que je suis venue t'aider? Qu'est-ce que tu manigances? Rien de bien méchant, t'en fais pas, mais... Oh, que je m'amuse, tu sais ce que c'est, hein? Mon cher mari ne pense qu'à son travail. J'avoue que je me sens un peu seule. Tu veux que je mente à Harvey, c'est ça? Non, bien sûr que non. T'inventes un truc... Du genre... Désirée est en train de prendre une douche ou elle est sortie. Je lui dis qu'elle te rappelle. Comment je fais pour te joindre? Tu as qu'à demander Madame Smith. Je suis au Saint James. L'hôtel. Sois gentille, Rebecca, rends-moi service. Je te couvre pour cette fois. Fais pas de bêtises, Désirée. Alors, qu'est-ce que tu en penses? C'est trop court? Tu veux savoir ce que j'en pense? Pourquoi est-ce que c'est si important ce que tu vas mettre? Toi, tu t'habilles bien pour aller à l'église. Alors c'est pareil. Bon, d'accord. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal à vouloir être à son avantage. Qu'est-ce qui se passe? Ton alliance ne s'accorde pas avec cette tenue? Ou aurais-tu oublié de préciser que tu es mariée? Si tu veux tout savoir... La question ne s'est pas posée. J'ai oublié de la mettre, c'est tout. C'est le genre d'oubli que je trouve très révélateur. Mike aurait été très gêné d'inviter une femme mariée à dîner. On ne fait rien de mal, on passe juste une soirée au restaurant. Rien d'autre que ça, Angela. C'est tout. Mais tu comptes lui dire que tu es mariée? Oui, éventuellement. Oh, Angie, je veux juste discuter avec Mike en toute amitié, sans aucune barrière. Tu vois, ce soir, j'aimerais retrouver mes 17 ans, quand j'avais toute la vie devant moi. C'est pas bien méchant. Je croyais qu'il t'était sorti de la tête depuis longtemps. Oui, c'est aussi ce que je croyais. Ah. Tu sais ce qui m'étonne le plus, finalement? C'est cette impression que tout est resté à sa place. Tu te souviens la fois où on était partis dans la montagne? Le jour des diplômes? Ouais. On était tombés en rade. Et j'avais des talons hauts. Quel enfer! Je t'ai porté pendant des kilomètres. Ensuite, tu m'as prêté tes chaussures. Du 42 et demi, flambant neuf, je les ai massacrés. Et toi, t'as marché pieds nus. J'ai l'impression que c'était hier. Merci. C'est fou, ça. T'as pas changé du tout. Ah oui, tu trouves? Parle-moi de ta vie. T'as sûrement dû être mariée. T'as des enfants? Non. Tu veux toujours avoir une carrière, un mari et une maison pleine d'enfants? T'es entré dans l'équipe des Celtics? Ça aurait pu se faire si j'avais été un peu plus grand et un peu plus rapide. Avec des si. Tu lis toujours de la science-fiction? Tu te souviens de ce que je lisais? Oh oui, bien sûr que je m'en souviens. Tu es vraiment le genre de fille qu'on n'oublie pas. Tu as quelqu'un en ce moment? Je suis navrée d'écourter cette conversation, Sherlock Holmes, mais... Il se fait tard. Il faut que je rentre. Ah. Je dois me lever tôt demain. Et finalement, pourquoi on s'est séparés tous les deux?
parce qu'on savait très bien que ça n'aurait jamais marché. Je voulais entrer à l'université, changer de style de vie. Tu avais de grands rêves et je ne voulais pas te freiner. Becky, tu es une femme vraiment adorable. Il est très tard. Marrant, je te vois encore en train de planter des fleurs dans le jardin. Dès le début de l'été. Oui, papa était très impressionné par ton constant désir de venir m'aider. C'était surtout pour la joie de te voir en short. Oh, alors tu n'étais pas celui que tu prétendais être? Au contraire, je l'étais. J'étais exactement tel que tu me voyais et personne ne me connaît mieux que toi. Je ne t'ai jamais rien caché à mon sujet. On se connaissait bien. Est-ce que Je voudrais que le temps s'arrête. Depuis que je suis gamin, j'ai toujours aimé jouer avec les allumettes. Où est-ce que tu vis maintenant? J'habite dans une masure. Je suis ruiné par la pension. Ça a été dur pour toi de devoir divorcer? Oui. Mes enfants me manquent beaucoup. Mais notre mariage était devenu un enfer. Et toi, ça s'est passé comment? Excuse-moi. Je t'en prie. Allô? Où étais-tu passé? Il est plus de minuit. J'ai dîné avec un ami d'enfance. C'était sympa de reparler du bon vieux temps. Tu avais dit que tu téléphonerais à 10 heures. Je t'ai appelé toutes les 15 minutes. Je sais, j'ai pas vu le temps passer. Je suis désolée, je ne voulais pas te faire veiller si tard. Bon, tu rentres à quelle heure demain? Dès que j'aurai fini. Est-ce que tu pourrais être plus précise? Désirée et Harvey nous invitent au restaurant, chez Ivy à 19h30. J'avais pensé qu'on pourrait rester tous les deux, se faire une soirée en tête à tête. Et pourquoi tu n'aimes plus Désirée et Harvey? De toute façon, il faut que je voie Harvey pour qu'on discute boulot. Ne quitte pas. Bon, on en reparlera quand tu seras rentré. Sois pas en retard, d'accord? Bonsoir. Bonsoir. C'était qui? Un ami en ville. Écoute, je... Tu devrais peut-être t'en aller. T'as droit à un dernier baiser? Faut que tu t'en ailles. Tu en es sûre? Oh, Becky. Oh, c'est extraordinaire. On dirait que le temps n'existe plus. Je croyais pas retrouver cette sensation. Moi non. Tu veux vraiment que je m'en aille? Bonjour, soleil de ma vie. Nous n'avons pas de poubelle. On fait du compost. Non, mais t'en fais pas, je maîtrise la situation. T'as mis mon peignoir? Tu veux que je te le rende? Oh non, 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 c'est pas grave, garde-le. Ah, c'est pas ce que tu disais la nuit dernière. Je voulais t'apporter le petit déjeuner au lit. T'as pas une ventouse pour l'évier? Oh, laisse, je vais appeler un plombier. Mais non, c'est pas la peine, je vais t'arranger ça, dis-moi juste où elle est. S'il te plaît, Mike! Oh, je t'en prie, arrête de fouiller partout. A priori, tu n'es pas du matin, toi. Si.
Non, je... Je crois qu'on va se passer de petit déjeuner, hein? Je suis obligée de te mettre à la porte. J'ai une journée très chargée. Oui, ben moi aussi. On joue le championnat de division demain. J'espère que tu seras là. Je regrette, mais j'ai du travail en ville. Et quel genre de travail tu fais en ville? Eh bien, j'ai passé mon diplôme de biochimiste et je suis devenue chercheur. J'ai pu identifier 10 enzymes ainsi que 10 protéines responsables de la destruction des cellules cancéreuses. Voilà. Est-ce que tu pourrais me le répéter avec moins de mots, si c'est possible? J'y vais. Ah non, non, non! Oui, elle est là. C'est Angie. Allô? C'est moi. C'est Mike qui a décroché. Qu'est-ce qu'il fait là, Angie? Mais qui? Me dis pas que t'as dormi avec lui. Écoute, j'ai vraiment pas le temps de discuter. Oh mon Dieu, et tu as pensé à Jeffrey? Angie, je te rappellerai ce soir. Mike, sois gentil, ne décroche plus ce téléphone. On ne sait pas qui ça peut être. Bah, excuse-moi, hein, moi je pensais pas à mal. Tiens. C'est gentil, merci. Mike, est-ce qu'on pourrait y aller plus doucement? Hein? Si tu veux. Jeffrey? Jeffrey, c'est moi. Je suis ici, Rebecca, dans le bureau. Jeffrey. Jeffrey, je suis contente de te voir. Mais enfin, on a été séparés quelques jours. Ouais, je sais bien, mais ça m'a semblé une éternité. Je t'ai apporté des fleurs du jardin de papa. Oh, merci, elles sont magnifiques. Figure-toi que j'ai abattu un boulot de titan. Pour une fois que tu n'étais pas là à m'interrompre, j'ai pu terminer mon article sur les mycoses. Tu veux le lire? Pas maintenant. Nous avons une demi-heure avant de partir. Ça t'ennuie pas si j'en profite pour terminer? Non, pas du tout. Je ne voudrais surtout pas t'interrompre. Tu es une femme sensationnelle. Si on jouait au jeu des questions-réponses. C'est moi qui commence. Vas-y. Parle-moi de tes enfants. Ils sont fantastiques. Josh appartient à une équipe de foot. C'est un excellent défenseur. Quant à Marc, Marc, lui, c'est... Monsieur Cassé de Vidéo. Et mon ex, Chris, pour ne pas la nommer, c'est une très bonne mère. Je sais qu'ils vont bien. Ils me manquent beaucoup. Dans les petits gestes de tous les jours, leur faire faire leurs devoirs. Aller se balader en vélo le soir après le dîner. Je leur téléphone tous les jours et je les vois tous les week-ends, mais c'est très frustrant. Heureusement, l'été arrive. Et je les aurai pendant les vacances. Tu dois être un père génial. Ça m'étonne que tu n'aies pas d'enfant. Ça fait longtemps que tu as divorcé? J'ai l'impression que c'était ce matin. Qu'est-ce qu'il faisait? Oh, c'est un chirurgien. Et pourquoi tu l'as quitté? Tu peux prendre ton joker. T'es pas obligé de répondre à cette question aujourd'hui. Non, Mike. Je voudrais que tu saches. Non, 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 c'est pas grave. Et puis, c'est à toi de jouer. Vas-y, pose-moi une question. Tu peux tout me demander, sauf la recette de ma sauce bolognaise, parce que ça, c'est un secret que j'emporterai dans ma tombe. Pourquoi t'as divorcé? D'après mon avocat, pour incompatibilité d'humeur, absence totale et définitive de communication entre les époux. Mais pour être honnête, on avait des ennuis d'argent. Et Chris a craqué pour notre banquier. Elle a eu une liaison? Oui, entre autres. J'ai travaillé comme un fou. Et j'avais pas le temps de m'occuper d'elle. Dans le fond, je crois qu'on s'est laissé tomber mutuellement, elle et moi. Et toi, de ton côté? Tu ne l'as jamais trompé, ni rien de tout ça? C'était hors de question pour moi à partir du moment où je l'avais épousée. Tu as été tentée parfois? Oui, mais justement, le fait d'être mariée doit savoir te faire dire non. Ouais. J'étais sûre que tu réagirais comme ça. Qu'est-ce que c'est beau ici.
J'aimerais pouvoir rester là toute ma vie. Moi aussi. L'ennui, c'est que j'ai rendez-vous avec 12 mecs sur le terrain. Ouais. Quant à moi, on m'attend à mon bureau en ville. On va fêter ça. Tu peux m'ouvrir le coffre? Merci. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, le blouson de mon père. C'est curieux, je l'aurais pas imaginé là-dedans. C'est un côté de lui qu'il montrait à peu de gens. Tu l'as porté pour moi? Tu le veux? Bah, oui. Je l'ai pris pour toi. Merci. Excusez-moi. Non, je t'en prie. Rebecca, tu es rayonnante. Tu es sûre que tu es allée donner des cours qu'on ne te serait pas plutôt offert à lifting? Enfin, Désirée, je n'aurais jamais fait une telle chose sans te demander l'adresse de ton chirurgien préféré. C'est sûrement ces jeunes universitaires. Je peux sentir le parfum de l'hormone de jeunesse sur ta personne. Très accrocheur pour un parfum hormone de Désirée Parnell. Très intéressant, je vois d'ici les spots télévisés. De quoi êtes-vous en train de parler, beauté fatale? Mais de toi, trésor. Je lui parlais de tes derniers exploits sur les grilles. C'est vrai, ça? Mm-hmm. J'avoue que j'ai fait très fort. Mm. Rebecca, je voudrais qu'on parle. Qu'on parle de quoi? Oh, ce que tu voudras. Ça fait une semaine qu'on ne s'est pas vu. Non. Oh. Oh, Harvey m'a dit qu'il y avait une chance pour que ce soit toi qui prononce le discours d'ouverture du congrès. Mmh. Oh, qu'est-ce que tu sens bon. Je croyais que tu voulais qu'on discute. Bien sûr. Tiens, si on parlait de Lakeview. Mais c'est un sujet qui t'ennuie à mourir. Non, c'est faux. Pas si tu es là-bas. Je parie qu'ils n'ont jamais eu de prof aussi excitante. Dois-je le prendre comme un compliment? Oui. Harvey dit que Désiré adore quand il lui parle de son sex-appeal. Tu prends conseil auprès d'Harvey? Un type qui s'est marié 4 fois? Enfin, quelle mouche te pique, toi. Je cite Harvey parce que c'est un de nos amis. Je fais un effort de communication. Je me risque à une certaine intimité. Ah, j'apprécie ton attitude. Mais il est presque minuit. Si on ne dort pas immédiatement, demain, je plains malade. D'accord. Bon sang. J'ai parfois l'impression que tu me connais mieux que moi. Bonne nuit. Bonne nuit. Bien. Je n'ai jamais été aussi heureuse. Tu as faim? Oh oui.
Bonjour, Mike. Salut, Angie. Elle n'est pas là? Non, mais elle va pas tarder. Ça va? Oui. Et dis donc, vous vous voyez souvent tous les deux, hein? Dans la mesure du possible. Est-ce qu'elle t'a parlé de son mariage? Pas beaucoup. C'est un sujet assez douloureux. Oh. Dans quel sens? Oui, quand on divorce, on reste toujours sur une impression d'échec. Toi et Gary, vous êtes un couple modèle. Mais comment était-il, son ex-mari? Je le connaissais peu, en fait. Bon, tu voudras bien lui dire qu'elle m'appelle. Ouais. J'étais content de te voir. En fait, j'aime Mike et Jeffrey de deux façons différentes. Mais qui? C'est facile de succomber à la passion en l'espace d'un mois. Ce n'est pas qu'une passion. Ce sont toutes ces émotions que je pensais éteintes qui reviennent. Avec Mike, j'ai l'impression d'exister enfin. On se connaît bien. C'est sympa pour Jeffrey. Au bout de 7 ans, il doit bien te connaître un minimum, non? C'est certain. C'est mon meilleur ami. Jeffrey m'a introduite dans un monde que sans lui, je n'aurais pas connu. Je sais qu'il m'aime, mais il m'aime d'un amour si tranquille. Je sais toujours à quoi m'attendre avec lui. Mais lui, il est fiable. Si ça avait dû marcher avec Mike, ça aurait marché la première fois. C'est comme ça que tu vois les choses? Oh, je t'affirme rien du tout. Tout ce que je veux, c'est ton bonheur. Je doute de connaître le bonheur sans Mike. Tu as su oublier Mike une fois, tu l'oublieras une deuxième. Non. C'est loin d'être aussi facile que tu as l'air de le penser. Mais qui? Tu dois essayer. Tu tiens donc si peu à ton mari. Je t'en ai parlé, Rebecca. T'as oublié, c'est tout. On ne peut pas annuler? Non, c'est hors de question. C'est au profit des enfants handicapés. Moi, des places d'orchestre, je ne veux pas arriver en retard. D'accord, j'essaierai d'être là aux alentours de 20h. Je ne veux pas que tu essaies, je veux que tu y sois. J'essaierai. Mets ta robe bleue. Non, Franck, attends, il faut que je le voie. C'est le match le plus important de la saison, j'espère que tu viendras. Je serai venue avec plaisir, mais je suis sur le point d'aboutir dans mes recherches au laboratoire. Décidément, il y a toujours quelque chose de plus important que toi et moi, mais comment ça se fait? C'est comme ça, c'est la vie. Est-ce qu'on pourrait en parler? On en parlera à mon retour. J'aimerais savoir dans quelle mesure tu prends notre relation au sérieux. Mike, nous sommes à nouveau ensemble depuis un mois. Tu en demandes trop et trop vite. Mais je te connais depuis 20 ans. Tu trouves que c'est trop rapide? Mais je ne vais pas tout abandonner. Ma vie est loin d'être simple. Mais je ne veux rien te faire abandonner. Je trouve ça chouette qu'on ait chacun notre vie, notre boulot, le basketball, les mômes. Mais je veux juste qu'on s'investisse plus. Qu'on habite ensemble? Je veux plus que ça. Je ne voudrais pas qu'on se voit seulement à chaque fois que tu as 5 minutes. Ça me rend malade. On a perdu assez de temps. Quand nous sommes tous les deux, je veux que tu y crois vraiment. Ce n'est ni l'heure ni le lieu pour en discuter. Il faut en parler. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a donc de si urgent? Mais pourquoi attendre? Par peur, ton ex t'a tellement marqué que moi, je te suis indifférent. Becky, on s'est séparés il y a 18 ans. C'était une bêtise. On va pas recommencer? Je ne peux rien te promettre. Rien encore. Il faut que j'y aille. Prends soin de toi. Ça ressemble à un adieu? Ça, ça dépend de toi. Je t'ai dit ce que j'attendais. Rien du tout. Pourquoi? Il y a quelque chose qui te dérange.
La seule et unique chose qui me dérange, c'est ton retard. C'est d'un manque de respect total. T'as raison. Quelque chose me gêne, effectivement. Tu t'en es rendu compte, non? C'est comme un manque. On a atteint une vitesse de croisière. C'est calme, ça roule. Pas de passion. Rebecca, tu n'aurais pas tes règles en ce moment? Non! Je déteste ce ton condescendant. Rebecca, je suis désolé. Je ne voulais pas être condescendant. Viens là. Je crois que tu confonds deux choses, la passion et le stress. Et en matière de stress, j'en ai ma dose à l'hôpital. Alors avec toi, je recherche la paix, la sérénité. Alors ne va pas chercher les problèmes là où il n'y en a pas. Mais si, il y en a. Rebecca, le seul problème qu'il y a, c'est que tu travailles trop. Et ça, c'est une situation que je connais très bien, crois-moi. C'est tout le temps pareil. Et chaque fois que je reçois un patient, il exige de moi que je m'occupe de lui comme s'il n'y avait que lui au monde. Il y a de ça, oui. Oui, je crois. Mais Jeffrey, j'aimerais qu'on s'accorde une petite période de réflexion pour essayer d'y voir plus clair. Là, tout de suite, en plein milieu du premier acte? Ma valise est encore dans le coffre. Rebecca, où veux-tu en venir exactement? Il faut que je réfléchisse. Sais-tu seulement ce que je veux? Je veux que tu restes telle que tu es, et surtout, je veux voir la fin de ce ballet. Oh! Je dois m'en aller! Et allons-y, dans le mélodrame, tâche de mettre à profit tes précieux instants de solitude. Promis. Au revoir, madame. Je te défie de marquer de là où tu es. Waouh! Je suis mort et je suis au paradis. C'est ta blouse de laborantine? Je suis allée voir un ballet après le travail. Bon alors, tu crois que tu vas marquer? Si je réussis, tu resteras? Combien de temps? Pour la vie, c'est la moindre des choses. Je pense que c'est jouable. Si tu réfléchis trop, tu vas le manquer. Vas-y, lance. Oh. Comme quoi, dans la vie, quand on veut vraiment quelque chose, tout devient possible. Tu crois? La preuve. Je ne crois pas que je pourrais continuer à vivre sans toi. Personne ne t'y oblige. Bien, ce sera la plus belle surprise de ta vie. Le bateau du mariage? J'ai le mal de mer. Pas de problème, il reste sur la rivière. Et il est grand temps que tu vois l'honnête homme qui dort en moi. Il n'y a pas de raison de se marier. D'ailleurs, ça ne nous a pas beaucoup réussi. Contentons-nous de vivre comme ça. Mes parents sont morts, ils ne me feront aucun reproche. Je t'assure, rien ne presse, on se mariera plus Becky, tard. Becky, toute notre vie devait aboutir à ce soir. Ne remettons pas à plus tard. Oui, je le veux. Par cet engagement, je vous déclare mari et femme. Embrassez la mariée.
Posez-le à côté du matelas. Je ne suis pas en avance. Je m'occuperai de le monter ce soir. T'en fais pas. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu achetais un lit ? Parce que je voulais te faire une surprise. C'est mon cadeau de mariage. Et moi, je ne t'ai rien offert du tout. Ça m'est égal. Mais si tu veux me faire plaisir, ne pars pas en ville ce week-end. Je t'emmène en lune de miel. C'est la pièce en haut à droite. On saute dans le train pour Atlantic City et on passe le week-end à s'adonner au plaisir de la chair. 48 heures très chaudes en perspective. Mmh. Au revoir. Je vous aime, Rebecca Lewis. Bonjour, Mike. Salut, Angie. Salut, Becky. J'ai vu un camion de livraison et... Félicite-moi, Angie, je viens de me marier. Tu viens de quoi? Ça t'étonne? Je croyais que toi et ton homme, vous étiez pour le mariage. J'avais dit à Angie qu'elle serait mademoiselle d'honneur, alors elle est un peu déçue, c'est tout. Alors, dans ce cas, peut-être que je pourrais t'épouser une deuxième fois dans un an. Je t'aime. Enfin, tu es complètement cinglé. Ça n'a rien d'extraordinaire. Les mecs font ça depuis des siècles. Ils ont deux femmes, deux familles, je n'ai rien inventé. Mais, et si tu veux des enfants? Écoute, Mike, lui, en a déjà deux. Et quant à Jeffrey, il refuse d'en avoir. Donc, tu veux les garder tous les deux. Et tu te vois, quand tu auras 60 ans, avec lequel décideras-tu de vieillir? Il sera temps d'y penser quand le moment sera venu. J'ai essayé de dire à Mike que je ne voulais pas qu'on se précipite, mais tu le connais, c'est tout ou rien. Peut-être, mais de là à devenir bigame. Ah, ce besoin de toujours tout étiqueter. Mike ignore tout, il croit que je suis divorcée. Et tu crois vraiment que tu sauras t'en sortir? Pourquoi pas? Oh. Ni l'un ni l'autre n'ont pour habitude de m'avoir constamment. Quand Mike va dans le nord voir ses enfants, je vais dans le sud voir Jeffrey. Tout le monde y trouve son compte. Non, Becky, tôt ou tard, il faudra que tu choisisses. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Chérie, oh, la semaine a été mortelle. Tu m'as manqué. Dan, est-ce que ça va mieux? Jeffrey, écoute, il faut qu'on parle. Volontiers. On m'a demandé d'assurer un semestre de plus. Et j'ai dit oui. Sans même m'en parler? Enfin, je comprends pas, on se voit déjà tellement peu. Oui, je sais, mais quand on se retrouvera le week-end, ce sera encore plus merveilleux. Rebecca, les personnes mariées vivent ensemble. Ce sont les célibataires qui se voient le week-end. Mais pourtant, ça fait plusieurs week-ends que ça fonctionne très bien. Alors pourquoi arrêter maintenant? Parce qu'il était convenu que c'était à titre provisoire. Mais ça marche très bien. Jeffrey, tu es marié avant tout à ton travail. Je ne suis pas jalouse. Je m'en suis toujours arrangée sans jamais me plaindre. Tout ce que je demande en échange, c'est ton soutien et ta patience. Pendant que je tente une carrière dans un domaine qui me passionne. L'enseignement. Que veux-tu que je réponde à ça? Je trouve que c'est formidable de ta part d'avoir su encourager Rebecca à avoir une vie totalement séparée de la tienne. Pas totalement séparée. C'est vrai. Dans l'ensemble, les mecs sont jaloux et possessifs. Rebecca est une très belle femme. Je l'imagine au milieu de tous ces charmants étudiants qui suivent ses cours. Non, là, c'est vraiment une chose qui ne m'inquiète pas. C'est sûrement génial, quand on a vécu si longtemps ensemble, de pouvoir tout connaître l'un de l'autre. Moi, avec Désiré, je suis surpris tous les jours. Mais attends, ne crois pas que Rebecca ne sache plus me surprendre, mais disons qu'en fait... Malgré les petits travers de tous les jours et l'apparente vitesse de croisière, le grand frisson est toujours là. C'est ça, le mariage. C'est s'appartenir l'un à l'autre. Oh. Qui est-ce? Te défile pas, ça se voit. C'est quelqu'un que j'ai connu il y a plusieurs années. Alors, c'est sérieux?
Tu comptes quitter Jeffrey? Non. Sauf si j'y suis obligée. Je les aime tous les deux. Alors ton cœur va se briser deux fois. Pourquoi? Qu'est-ce que tu en sais? La passion est mauvaise conseillère. Quand on est amoureux, on est cuit. Je viens d'avoir une idée. Tiens, si j'allais en ville avec toi ce week-end, on rapporterait quelques-uns de tes meubles. Oh non, ça n'ira pas dans le style campagne d'ici. Et je préfère qu'on achète nos propres meubles à nous. T'es sûre? Ouais. Bon, mais je peux quand même t'accompagner. J'ai pas de match et mon ex garde les enfants. Tu pourrais me faire les honneurs de ton appartement. Oui, oui, sauf que malheureusement, je n'y ferai qu'un passage rapide parce que je l'ai mis en vente et que je suis hébergée chez Désirée. Je ne crois pas qu'elle t'accepte aussi dans son lit. Ah. Dans ce cas, je vais voir si Chris veut bien de moi ce week-end. Oui, excellente idée. Au fait, mon blouson est dans ta voiture? J'en sais rien. Un vieux paquet de chips à moitié écrasé. Qu'est-ce que tu fais avec des feuilles de maladie? Je travaille pour un laboratoire pharmaceutique. Ah, tiens. Je suis persuadée qu'on retrouvera bien ton blouson. Sois prudente. Promis. Au revoir. Becky! Oh, elle pourra rien faire sans ces dossiers. Salut! Ça va? Regarde ce que je t'apporte. Tu l'avais oublié. Ben, dis donc, c'est magnifique ici. C'est un palais, cet appart. Merci. C'est gentil, mais l'agence doit le faire visiter dans quelques minutes et je dois mettre un peu d'ordre. Pourrais-tu aller m'attendre quelque part ailleurs? Si tu m'offrais un petit café avant, je me suis payé 3/4 d'heure de route. Allô? Rebecca? Je parlais toute seule. Tu es où, là? Elm Street. Je serai là d'ici 10 minutes. Ah, t'appelles de la voiture. Mais qu'est-ce que tu as? Tu as l'air bizarre. Rien. J'ai laissé couler l'eau et tu sais à quel point je déteste gaspiller. Saute dans la baignoire, je te rejoins tout de suite. Oui, d'accord, j'y vais. Y a pas de problème. À plus. Dis-moi, mais qui c'était encore? Mon patron. Il m'attend au labo. Il y a un problème avec les dernières expériences mises en route. Il faut que j'y aille. Ça a l'air grave. Oui, très grave. Est-ce que je peux t'aider? Non, Oui. Tu veux me donner un coup de main? Oui. Voilà ce que tu vas faire. Tu repars à Lakeview et tu me trouves le dossier 14C. Maintenant? Maintenant. Très bien. Ton dossier est marqué 14C. Hein? Bon, allez, vas-y tout de suite. Moi, je vais m'habiller. J'adore te regarder t'habiller. Je sais, mais pas aujourd'hui. Ah, je vois. Alors, ton dossier est marqué 14C. Peut-être que tu as une idée de l'endroit où tu l'as mis. Bon, d'accord. Attends-moi, j'arrive. On partira ensemble. Hein? J'en ai pour une minute. Et qui c'est lui?
C'est mon mari, mon ex-mari, Jeffrey. Mike, il faut vraiment y aller. Moi, je suis prêt. Tiens, mon blouson. Oh, oui. Laisse-le-moi, j'irai le faire nettoyer, je te le rapporterai. Alors, il est pas si sale que ça. Si, si, j'insiste. Allons-y, allons-y. Bonjour, docteur Madison. Bonjour, Franck, ça va? Ah, bonjour, Rebecca. Monsieur Green? Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu. En ce moment, je travaille à l'extérieur, figurez-vous. À Lakeview et trouve-moi ce dossier. Hein? Je vais essayer de me débrouiller et après je reviens. Où est ton alliance? Je ne l'apporte jamais au labo, les produits chimiques toute la journée. Ah, rentre vite. J'essaierai. 14C. Rebecca? Il est parti. Monsieur Green, je ne vous ai même pas présenté mon frère. Daryl, oui, Daryl. Oui, c'est ça. Je me disais bien qu'ils vous ressemblaient. Oui, on nous le dit constamment. C'est vrai qu'on est bruns tous les deux. Rebecca? Mais qu'est-ce qui se passe? Jeffrey? Où étais-tu? J'étais très mal garée. Ils allaient m'embarquer. Mais je te croyais sous la douche. Je t'ai attendu, je ne voulais pas gaspiller l'eau. Allons-y. Bon, d'accord. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu t'apporter les bouquins que tu voulais et en même temps, j'espérais aussi... C'est gentil. ...en profiter pour t'emmener. Merci. J'en ai pour une heure, je fais une greffe. D'accord. Et je me permets d'insister, mais il faudrait réserver notre lune de miel. Oh, Mike, j'ignore si je pourrais m'absenter. Oh, fais un effort, c'est pour partir en lune de miel. Ça vaut le coup. Je rentre préparer le dîner. Tu auras sûrement très faim. Je t'aime. Je t'aime aussi, Mike. Oui? Bien, je vous rappellerai, c'est entendu. T'imagines? Il me propose de prononcer le discours d'ouverture. Tu vois, je te l'avais dit. Oh, c'est génial. Je suis très fière de toi. Merci. Donc tu pars à Miami le week-end prochain? Tu m'accompagnes pas? On y restera la semaine d'après. Je prendrai pas de rendez-vous. Ah, j'aurais adoré être avec toi, mais il y a des examens la semaine prochaine. Le dernier train doit partir à 5 heures. Je passerai à ton appartement. Non. On se retrouve directement à la gare, à 4 heures. Tu veux prendre ta voiture? Oui. Parce que ce sera plus romantique comme ça. Comme dans Casablanca. Ah, mais dans le film, elle lui pose un lapin. Aie confiance, il n'y aura aucun lapin. C'est promis. T'as intérêt, c'est notre voyage de noces. Oui, je comprends, merci. Au revoir. C'est fini, c'est la dernière fois que je joue bénévole. Qu'est-ce qui se passe? Oh, il se passe qu'un autre toubib va prononcer le discours à ma place. Mais tu vas y aller quand même? Non, ils n'ont plus besoin de moi. C'est une erreur. Ta collaboration est très importante. Oh, tant pis, je préfère qu'on en profite pour rester ensemble. C'est le moment idéal. Mon emploi du temps est à toi. Mais moi, j'ai mes cours, je dois rester à Lakeview. J'irai avec toi. Ma valise est prête. Ce sera super. Hein? Oui. Allons-y. Non, changement de programme. Mais comment vas-tu faire? Oh, je préfère qu'on reste ici tous les deux. On n'aura même pas besoin de sortir. En fait, je vais dire au concierge de ne laisser entrer personne, qu'on veut être tranquille. Ah, je suis tout à fait d'accord. Tiens, décrochons aussi le téléphone. Le train
243 provenant d'Atlanta à entrer en gare. Veuillez vous éloigner de la bordure du quai, s'il vous plaît. Tu avais dit que tu ferais pareil pour moi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu attends de moi, au juste? Que tu dises à Harvey de rentrer à la maison pour que l'hôpital appelle Jeffrey et débrouille-toi pour le garder chez toi un maximum. Lequel veux-tu assassiner? Harvey ou Jeffrey? Désiré, c'est oui ou non? D'accord, 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 d'accord. Quoi? À quoi penses-tu? Rien. C'est ton beeper? Ça fait si longtemps que t'es pas venu dans la cuisine. Non, c'est le micro-ondes. Et là, tu vois, c'est le grille-pain. Et là, le mixeur. Et ici... Mon beeper. T'es l'obsession. C'est Harvey, à l'hôpital, il faut que j'y aille. T'en fais pas pour moi. J'ai du travail, moi aussi. J'irai au labo. Je téléphonerai, alors. Non, non, j'ai besoin de me concentrer. Je ne veux pas être dérangée. On se retrouve ce soir, dès que tu rentres. Il était moins une. T'as bientôt fini de jouer avec mes nerfs. Où est ta valise? Je regrette, je dois rester là. Quoi? Dis donc, tu plaisantes? On a les réservations, tout est OK. Mike, au labo, c'est l'enfer. Ton labo attendra. Tu n'appartiens pas à ton boulot. Il ne t'aime pas autant que ton mari. Je regrette. J'en ai assez. Ce n'est qu'une absence de 2 jours. Tu pourras te rattraper quand tes élèves seront en examen. Je n'ai pris aucune affaire. C'est pas précisément indispensable pour un voyage de noces. Le train 2032 à destination d'Atlantic City va partir dans 5 minutes. Il faut que je passe un coup de fil. Je t'attends dans le train. Jeffrey, c'est Becky. Bon, je passe le week-end à Lakeview. Je ne branche pas le téléphone pour ne pas être dérangée. Faut que j'y aille. Je te rappelle lundi. Je t'aime, Jeffrey. Je t'embrasse. Jeffrey, c'est Becky. Bon, je passe le week-end à Lakeview. Bonsoir, monsieur et madame Lewis, nous avons réservé la suite nuptiale, n'est-ce pas madame Lewis? La suite nuptiale? Chouette, j'ai hâte de la voir. C'est dingue ici. Je suis surprise que tu n'aimes pas jouer, toi qui es un fanat de sport. J'aime jouer, mais simplement pour le plaisir, jamais pour l'argent. Mais si tu veux, on peut jouer. Non merci, pas de tête de jeu, j'ai suffisamment de problèmes. Ah, je savais pas que tu avais des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Ça ne vaut même pas le coup d'en parler. Rebecca? Rebecca?
Angie, c'est Jeffrey. Tu sais où est Rebecca? Non, elle m'a pas dit où elle allait. J'ai trouvé un mot, il y a écrit « Becky, on se retrouve après le match de basket. Love », c'est écrit L-U-V, signé Mike. Tu sais qui c'est, ce Mike? Mike... Mike comment? Il a pas son nom de famille? Non, il y a que ça. Il l'appelle Becky. C'est comme ça qu'elle s'est présentée sur le répondeur. Je suis navrée, j'aimerais bien t'aider, mais je pense que... qu'elle seule pourra te renseigner. Merci. Quoi? Je lui ai dit de te poser la question. Si j'étais toi, j'étudierais ma défense. Je sens que tu vas en avoir grand besoin. Oh mon Dieu, Angie, ne dis rien ou il va rappliquer tout de suite. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est Angie, son mari est en pleine déprime. Il a embarqué les enfants et il a quitté la ville et Angie a avalé des somnifères. Il faut absolument que j'aille la voir. Mais ce n'est pas le genre d'Angie et de Gary. Dans la ville, il ne faut jamais se fier aux apparences. Il est préférable d'aller sur place. Tu es sérieuse? Je t'en prie, c'est ma meilleure amie, elle ferait pareil. Bah oui, mais moi je veux aller voir ce match de basket. Je te comprends. Mike, je viens de passer le plus merveilleux week-end de ma vie et crois bien que je me faisais un plaisir de voir ce match avec toi demain, mais je sais que je vais culpabiliser. Angie, c'est ma meilleure amie. Et notre lune de miel, bon sang de bon soir. Je m'en voudrais toute ma vie si elle faisait une bêtise. Au revoir. Rebecca? Jeffrey, qu'est-ce que tu fais là? C'est moi qui pose les questions. Où étais-tu? J'ai décidé que finalement je restais au labo. C'est curieux, je t'y ai téléphoné. Et on t'a répondu que je n'y étais pas. Tu as deviné. La majeure partie de la semaine, je suis ici. Mais ce week-end, j'ai décidé de travailler au labo. Tu as vu comme j'ai un beau lit? J'avoue que je ne me souvenais pas de l'avoir vu. Il est neuf. Tu avais parlé de venir me voir quelquefois, j'ai trouvé que la moindre des choses serait de nous offrir un lit. Rebecca, qui est Mike? Mike est un étudiant en biologie. Je n'avais jamais enseigné à l'université, ils m'ont donné un assistant. Tu ne m'avais jamais parlé de lui? C'est parce que je voulais t'impressionner. Que tu crois que j'étais une femme qui assure, que je faisais tout moi-même. Mais en fait, j'assure pas. Je suis très, très fatiguée. Pourquoi me poses-tu toutes ces questions? Ces vêtements d'homme dans ta chambre, c'est à qui? À mon père, voyons. Je n'arrive pas à m'en défaire. Cet étudiant Mike te laisse des mots sur le réfrigérateur. Oh, disons qu'il a le béguin pour moi. J'aurais dû remettre les pendules à l'heure, mais... son aide est très précieuse. À vrai dire... j'ai même été flattée de pouvoir le séduire. Ça fait tellement longtemps qu'on ne se laisse plus de petits mots tous les deux. Pour être exact, on ne s'en est jamais laissé. Je suis désolé, Rebecca. Vraiment désolé d'avoir pu douter de toi. J'ai l'impression de t'avoir délaissé. Et je m'en veux énormément. C'est pas grave. Je ne veux pas te perdre, Rebecca. Moi non plus, je ne veux pas te perdre. J'arrive pas à croire qu'il ait marché. Les gens n'entendent que ce qu'ils veulent entendre. Jeffrey voulait à tout prix me croire. Au bout du compte, il m'a cru. Et toi, ça ne te pose aucun problème. Si, j'ai honte, j'ai peur. Je ne sais plus quoi faire. C'est toi qui avais raison. Raison d'un bout à l'autre. Épouser Mike, c'était complètement stupide. Quand on s'aime et qu'on se marie, il faut travailler et pas s'amuser. Gary et moi, on travaille. Tu crois que je me suis amusée? Mais Angie, si tu pouvais, ne choisirais-tu pas d'être aimée? Un point, c'est tout. Mais enfin, comment veux-tu que ces malheureux puissent t'aimer sans savoir qui tu es? Tu n'as aucune idée de ce qu'est l'amour. De quel droit dis-tu ça? Parce que je t'aime assez pour te dire ce que je pense.
Toi, quand tu aimes, ton amour reste à la surface. Mais quand on aime vraiment, il ne faut pas avoir peur de montrer sa fragilité. Il faut laisser l'autre te voir tel que tu es. Pour qu'il t'aime tel que tu es. C'est trop tard. Tous ces mensonges. Ils vont me haïr l'un comme l'autre. C'est possible. Mais ce n'est pas sûr. Le plus important, c'est que tu choisisses. Il faut que tu en choisisses un. Et que tu lui donnes le maximum. C'est la seule solution. Rebecca, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne peux pas présenter un tel rapport. Je vais le réécrire. Non. Hélas, j'ai peur que ça ne suffise pas. C'est à cause de la mort de votre père, c'est ça? En partie, oui. Mais je suis désolée, j'ai pourtant essayé de prendre sur moi. Je croyais que j'y arriverais. De temps en temps, il faut recharger les batteries. Peut-être avez-vous besoin d'un peu de repos. Je vous accorde quelques jours d'absence. Changez-vous les idées. Vous avez raison. J'ai bien besoin de repos. Pauvre plante. J'ai été une piètre jardinière. Papa, si t'étais encore là, on n'aurait pas parlé de tout ça. Ouais, avec toi, on parlait compost et engrais. Finalement, on ne parlait jamais de l'essentiel. Oh, si tu savais dans quel pétrin je me suis fourrée. Tu dois honorer ton premier engagement, disais-tu. Pourquoi pas mon premier amour? Tiens, tu regardes notre album de mariage? Je voulais me souvenir de ce qu'était nos tout débuts de vie à deux. Regarde, je suis aussi raide qu'un baleine. Et moi, j'affiche le sourire de la Joconde. Non. Je me souviens que mon nœud papillon m'étranglait. C'est curieux. Chacun ne regarde que lui-même sur les photos. Oh, ce que je vois, c'est toi sur ces photos. Toi et moi, Rebecca. Comme toujours. Je vais dire à Mike qu'il faut qu'il fasse sa valise. Cette situation ne peut plus durer. Donc tu vas lui dire la vérité? La vérité, c'est que je l'aime seulement. Tout ce que je lui ai dit est un tissu de mensonges. Ça empoisonne notre relation. Alors j'arrête. Je lui fais trop de mal. J'en ai assez de mentir comme ça. Finalement, je préfère que ça fonctionne avec Jeffrey. Pourquoi lui? C'est mon mari depuis 7 ans, alors c'est la moindre des choses. Sans oublier qu'il est plein aux as. Tu me paieras cher d'avoir dit ça. Oh, je t'en prie. Ne joue pas les vierges effarouchées. Je sais qu'il est politiquement incorrect d'admettre que le salaire de son mec puisse faire pencher la balance. Mais en ce qui me concerne, je ne quitterai pas Harvey pour un entraîneur de basketball. L'argent n'a strictement rien à voir avec mon choix. Les pires mensonges sont ceux que l'on se fait à soi-même. Tu verras. D'ici à peine 2 heures, tout sera terminé, fini. Je n'aurai plus qu'un seul mari. Oh, d'accord. Désiré, salut, c'est Jeffrey. Tu pourrais dire à Harvey que je n'irai pas au golf aujourd'hui. Je vais passer un peu de temps avec ma femme. Je lui dirai. Bye. Tu mentais quand tu disais que tu m'aimais? Non. Tu mentais à chaque fois qu'on faisait l'amour? Non. Alors c'est maintenant que tu es en train de mentir. Ce sont des histoires. Rebecca, réponds, réponds, réponds. Non. Tu me fais marcher.
Non, on n'épouse pas quelqu'un pour ensuite, réflexion faite, lui déclarer qu'on s'est trompé de bus et qu'on préfère monter dans un autre. Non, c'est pas ça. Alors c'est quoi? Vas-y, je t'écoute, il serait temps que tu parles. D'accord, d'accord. Tu veux que je t'explique, donc je vais t'expliquer. Toi et moi, on est des enfants qui s'amusent à être grands. J'en ai assez ras-le-bol de jouer au jeu des amours d'adolescents. Je veux aller de l'avant dans la vie. Va-t'en et déteste-moi. Déteste-moi, je le mérite. Ce sera beaucoup plus simple d'en rester là. Je suis incapable de te haïr. J'ai aucune idée de ce qui te prend, mais je suis sûr que tu penses pas ce que tu dis. J'y crois pas du tout. Je veux t'entendre me dire en face que tu m'aimes pas. Et ce jour-là, je m'en irai. Dis-moi que tu ne m'aimes pas. Je t'aime. Je refuse de te perdre encore. Tu comprends? Oh, je t'aime trop. Becky. Mike. Je t'aime, Becky. Je t'aime. Oh, je t'aime aussi. Vous cherchez quelque chose? Qui, moi? Qu'est-ce que ça signifie, Rebecca? C'est lui, Mike, ton assistant? L'assistant auquel t'as tapé dans l'œil, c'est lui? Tu connais ce monsieur Becky? Je comprends tout. C'est son blouson qui est là. Hein? C'est votre blouson. T'avais pas l'intention de me l'offrir. C'est le sien. Reprenez vos affaires et sortez d'ici. Je trouve, monsieur, que j'allais vous suggérer de faire la même chose. Je suis son mari, moi, alors fichez-moi le con immédiatement. Et qui c'est, je suis son mari, c'est ma femme. Il semble que Becky ait essayé de vous préciser. Fichez-moi le con tout de suite, c'est compris? Détachez-vous! Bon, voici mon mari. Et voici mon autre mari. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, Rebecca? Nous sommes mariés depuis 7 ans. Je sais. Donc tu ne peux pas être sa femme? Sans doute, mais... Mais je l'ai épousée. Je t'assure. Je l'ai épousée le mois dernier. Je ne te crois pas, tu es folle. Je voulais mettre les choses au clair, c'est pour ça que je suis là. Tu voulais mettre les choses à nu, tu veux dire? Mais regarde-toi. Oh, puis de toute façon, peu importe. Tout ce que je vois, c'est que tu n'as pas cessé de me mentir. Jeffrey! J'ai été lent, mais j'ai compris. Tu m'as raconté des salades. Tu n'étais pas divorcée. J'ai essayé de t'expliquer. Je regrette, mais tu n'as rien essayé du tout. C'était lui que tu allais retrouver le week-end? Je ne voulais pas te faire de mal. Ils sont mari et femme. C'est absolument insensé. Bon, écoutez, je vous laisse faire. Arrangez-vous pour que tout soit terminé au plus vite. Je compte sur vous. Rebecca Cross, doublement mariée? Vous devez faire erreur, cher monsieur. Mais dites-moi, pour quel journal travaillez-vous? Écoutez, j'ignore qui vous êtes, monsieur, et je n'ai pas l'intention de répondre à vos questions.
Rebecca. Nous venons immédiatement. Nous devons constater s'il y a eu effraction. Votre ami a bien voulu payer la caution. Nous avons conclu un arrangement avec le procureur. Vous plaidez coupable et votre peine sera la suivante. Liberté surveillée et 2 mois de travaux d'intérêt général. J'accepte. Ensuite, pour ce qui est du divorce, Jeffrey souhaite tout partager avec vous. Je ne veux absolument rien de lui. Il insiste pour que vous ayez la moitié. Mais, et ceci est extrêmement important, il exige que vous déménagiez vendredi pendant qu'il travaille à l'hôpital. Ce ne sera pas difficile. Quant à vous et Monsieur Lewis, vous n'avez aucun bien en commun. Non. Lui non plus ne souhaite pas vous rencontrer. Il a récupéré ses affaires qui étaient dans la maison de votre père, et si vous voulez lui parler, ce sera par le biais de son avocat. C'est très clair. Je vous rappellerai, Madame Rebecca. Merci. Surtout, ne dis pas à Harvey que je t'ai adressé à notre avocat. Il est associé avec Jeffrey et je sais que tu ne veux rien de lui. Je ne veux absolument rien de Jeffrey, c'est vrai. Mike? Je peux entrer une minute? Oui, bien sûr. Tu sais, j'ai pas mal réfléchi. À propos de quoi? Eh bien, j'ai pas envie que ça s'arrête de cette façon entre nous. Moi non plus. Je suis désolée, tout est ma faute, j'ai tout gâché, je le sais. Je ne te demande pas d'excuses, surtout. Si, je t'en dois. Je t'aime, Mike. C'est toi qui restes l'amour de ma vie. Je sais que je t'aimerai toujours, Becky. Il n'y a rien à faire. Mais... je n'arriverai jamais à accepter l'idée que tu m'aies trahi. Quelles que soient tes raisons. Je te l'avais dit, si je t'épousais, c'était sérieux. J'en suis consciente. Je respecte ça. J'aurais voulu que les choses puissent être différentes. Mais maintenant, j'ai... mais nous... nous sommes ce que nous sommes. Oui. Alors, où comptes-tu aller? Qu'est-ce que tu vas faire? Continuer à enseigner. Il faut que je quitte Lakeview. J'ai une trop mauvaise presse maintenant. J'ai demandé un poste en Californie et j'ai obtenu un contrat d'un an. Génial. Ok, bon, je vais y aller, je te laisse. Au fait, t'as déjà ta nouvelle adresse là-bas? Pas encore. Tu sauras toujours où me joindre. Ma liberté surveillée m'oblige à signaler où je me trouve. Becky. Au revoir, Mike.
Désiré, c'est vraiment très gentil à toi. Mais jamais je ne marcherai dans le plan que tu es en train de monter. Je ne monte pas du tout de plan, ma chérie, je te le jure. Jeffrey viendra à ton appartement à 5 heures. Je te conseille d'y être avant lui. Bon, écoute, si j'ai le même message de la part de l'avocat, alors peut-être que j'y croirai. Merci d'avoir essayé, mais ce n'est sans espoir. L'amour vaut la peine qu'on se batte. Rentre chez toi de bonne heure, s'il te plaît. D'accord? Je te remercie d'avoir essayé. Au revoir. Désirée ne t'avait pas dit de venir plus tôt? Oh, j'ai cru que c'était une blague, je suis désolée. Je reviendrai tout à l'heure. Non, 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 attends, reste, oui, reste. Est-ce que tu l'as épousée parce que j'ai fait quelque chose qui t'a déplu? Non. Non, c'était moi. Il y a forcément eu quelque chose que j'ai pas fait attention, j'aurais dû remarquer que ça tournait pas rond. Je ne suis pas sûre que ça aurait changé grand-chose. C'est ma faute. J'étais tellement stupide, toujours à bosser, jour et nuit. Je me disais que si j'étais un bon médecin, que si j'étais quelqu'un qui réussissait professionnellement, tu m'aimerais. Oh, Jeffrey. Tu n'as jamais eu à gagner mon amour, jamais. Alors que fallait-il que je fasse pour l'avoir? Justement, c'est ce que je cherche, l'amour. L'amour n'a pas grand-chose à voir avec les qualités de travail d'une personne, mais plutôt avec la capacité réelle qu'a cette personne à aimer l'autre. Autrement dit, tu trouves que j'aurais dû t'aimer plus? Je crois plutôt que c'est moi qui ne t'aimais pas assez. Je ne me suis jamais complètement livrée à toi. C'était une erreur, mais c'était par souci de protection. Je te reprochais ce que je ne pouvais pas te donner. Est-ce que tu pourras me pardonner? Oui, je pourrais te pardonner. Mais je ne pourrais pas oublier. Peut-être ferai-je des efforts si tu en fais aussi. Je regrette. Pas maintenant. Je ne peux pas retrouver notre ancienne vie, moitié épouse, moitié amoureuse. Je ne te fais pas de reproches. J'ai laissé s'installer l'habitude. Et ensuite, je t'ai menti. Je t'aime toujours. Je t'aime, moi aussi. Tu es quelqu'un de merveilleux, Jeffrey. J'aurais dû te traiter avec plus d'honnêteté. Moi, j'aurais dû être un homme plus attentionné. Mais il faut que je sache qui je suis réellement. C'est primordial. Avant de pouvoir prétendre aimer quelqu'un. Je suis désolée. Vendu. Ça y est, c'est terminé. On a tout emporté. Il y a encore de la place. Oui, on va glisser ça derrière. Il y en a des souvenirs dans cette maison. Ils te manqueront. Je les emporte avec moi. Oh, toi. Toi, tu vas me manquer atrocement. Oh, toi aussi. Et tu m'appelles dès que tu es arrivée, d'accord? C'est promis. Sois prudente au volant, parce que la conduite californienne est terrible. Ne te fais pas de soucis. Tu es sûre que ça va aller? Ça ira très bien. L'amour n'a pas encore dit son dernier mot. S'il devait y avoir une autre fois, je serai à la hauteur. Tu verras. J'en suis sûre et certaine, Rebecca Cross.
Au revoir.